volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Mon père dort et je ne veux pas le réveiller, tu comprends? D'accord. Et je sais qu'il est un peu tard, mais je pensais que tu aurais voulu voir ça. Merci. Non. Ce sont les marques de rouge à lèvres de Lina. Oui. Toutefois, je ne peux pas garantir que c'est la même chose qu'elle portait le jour du crime, hein. Mais je peux te garantir qu'elle l'a portée ce soir. Super. Qui appartient cette chemise? À moi. Et tu l'as portée quand c'est arrivé? Quoi? Qu'est-ce que tu attends? Je suis censée te remercier maintenant ou quoi? Comment ça? Tu ne voulais pas un échantillon du rouge à lèvres de Lina? Oui, et tu devais coucher avec elle. Mais je n'ai pas couché avec elle. Tu vas réveiller mon père. C'est toi qui es en train de crier. Voyons, Scarlett, s'il te plaît. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je te jure que je n'ai pas fait l'amour avec Lina, je te le jure. Comment c'est arrivé là, par l'intervention du Saint-Esprit? Dis-moi, comment c'est arrivé ici? Bon, évidemment, elle m'a donné quelques baisers pour... T'as embrassé? Elle... T'a embrassé? Tu vas réveiller ton père. Et moi, je passe pour une imbécile. Et moi, je suis tellement bête, j'imagine à quel point tu étais content d'être avec Lina. Bien sûr, tu ne pouvais pas laisser passer une telle occasion. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Et maintenant, je suis censée te remercier. Tu es jalouse? Je suis dégoûtée. À chaque fois que je pense à toi caressant Lina de tes mains, ça me donne envie de vomir. Et c'est pour ça que je ne veux pas que tu sois près de moi. Moi, je pense que tu es jalouse. C'est ce que tu voudrais. Non, c'est ce que je sais. Arrête de faire semblant et accepte-le une bonne fois. Tu as des sentiments pour moi, oui ou non? Ou sinon, tu ne serais pas si fâchée juste parce que Lina et moi, nous nous sommes embrassés. Va-t'en. Va-t'en d'ici maintenant. Va-t'en. Non. Ne me touche pas. Je vais commencer à crier comme une folle, ou comme ce que tu penses que je suis. Je vais commencer, lâche-moi. Lâche-moi. Tu ne vas pas crier. Tu ne vas pas crier justement pour ne pas réveiller ton papa. Lâche-moi. 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 J'ai dit non. Mais quel objet, ça suffit. Tu veux vraiment que je parte? Ne sois pas stupide. Je ne veux rien. Oh, ça va ma petite chérie? Tiens, calme-toi, bois ça mon amour. Ce n'est pas grave mon cœur. Écoute, tu ne résoudras rien en pleurant mon trésor. Oh maman, c'est que ça fait si mal. Je te jure que ça fait très mal, Juan Carlos m'a traité d'idiot. Voyons ma chérie, je ne comprends toujours pas comment tu as osé prendre Natalia sans le consentement de Juan Carlos et de Madame Isabelle. Uniquement pour aider Scarlett à faire quelque chose d'insensé. Oh, je sais maman. Et c'est ce qui me met en colère, ça m'énerve à chaque fois que je pense à ce que j'ai fait. Mais arrête. Comment j'ai pu faire une chose pareille, hein? Surtout maintenant que tout va pour le mieux avec Juan Carlos, que j'ai rencontré l'amour de ma vie, maman, qu'on allait partir vivre à Boston. Vas-y, bois un peu d'eau, calme-toi. Calme-toi. Je t'ai dit que tu ne résoudras jamais rien en pleurant. Oh, tu as tout à fait raison. Ah, très bien. Je ne peux pas me résoudre à perdre Juan Carlos. Qu'est-ce que tu vas faire, ma chérie? Eh bien, je vais lui parler. Demain, la première heure, j'irai chez lui et...
Je vais lui parler, maman. Elle va bien devoir finir par comprendre. Comprendre quoi, mon amour? Eh bien, que j'ai tout fichu en l'air, que je sais que j'ai tout gâché. J'ai fait une erreur, juste une petite, mais il doit me pardonner parce que je regrette ce que j'ai fait, maman. Que le passé demeure le passé et que nous devons continuer à aller de l'avant, voyons. Et que nous allons former une famille. Et que tout ira bien et que nous devons être ensemble. Lui, moi, Nata, ma petite fille. Avec toi. Et Madame Isabelle, bien sûr. Il ne s'est rien passé, maman. Et finalement, Natalia va bien. Mais le pire aurait pu arriver, Juan Carlos. Cette femme, Adri, est si irresponsable. Maman, il s'agissait tout simplement d'aider Mariana. Ah, vraiment? En faisant quelque chose d'illégal? Allons, Juan Carlos. Je sais que Mariana est en grande difficulté. Mais nous devons suivre toutes les procédures légales. Nous ne pouvons pas ignorer ces procédures simplement comme ça nous enchante. Non, et encore moins si ça porte préjudice à Lina. Oui, Lina m'a appelée au téléphone et m'a raconté que Scarlett disait d'elle qu'elle est une voleuse et qu'elle est une criminelle. Ce n'est qu'une théorie de Scarlett, maman. Bien sûr, mais c'est une chose insensée que nous ne pouvons pas supporter. Parce que Lina est ma nièce, hein? C'est ta cousine. Elle est de notre famille, nous devons rester unis. Nous sommes tous unis. Eh bien, ça n'en a pas l'air si tu continues cette relation absurde avec Adri. Tu as agi différemment maintenant. Maman, je sais exactement qui je suis. Eh bien, tu ne peux pas prétendre pouvoir transformer cette jeune fille comme toi parce qu'elle ne l'est pas. S'il te plaît, Juan Carlos, tu dois y penser, d'accord? Tu as toujours été un homme très raisonnable. Écoute, je sais que tu es comme ensorcelé par les attributs que détient Adri. Mais s'il te plaît, tu dois aussi penser à ta nièce, hein? Il n'y a que son bien qui compte. C'est à elle que je pense, maman. Natalia aime beaucoup Adri, de plus... Mais bien sûr, elle est enjouée par toutes les choses dingues que fait Adri. Hein? C'est ce qui se passe. Ce qu'elle aime, c'est le manque de discipline d'Adri, ce langage rustique qu'elle utilise. Mais bon, dis-moi une chose, est-ce que tu penses vraiment que ce soit le bon exemple que la petite doit suivre, Adri? Scarlett, écoute, je ne comprends pas comment ton père... Je ne me sens pas à l'aise de te parler aussi sérieusement. Je ne sais pas comment ton papa ne s'est pas réveillé. Et tu es cynique. Pourquoi? On a fait du bruit, non? Pourquoi suis-je cynique à cause de ce que je dis? Non, c'est pour ça que je suis ici. Ah, voilà. Non seulement cynique, mais aussi snob. Oh. Non, 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 je commence sérieusement à te faire confiance. Non, n'abuse pas, Miguel Angel. Dis-le-moi maintenant. Non. Dis-le-moi maintenant. Attends, maman. Je n'ai jamais abusé de toi, je ne le ferai jamais. Je te crois. Miguel Angel. Tu as passé un bon moment avec Lina? Scarlett... Quoi? Tu me reparles encore de ça? Je pensais que c'était de l'histoire ancienne. Oui, c'est de l'histoire ancienne. Et comment? Je l'ai déjà oublié. Oui. C'est juste que... Je suis juste curieuse. Comment ne pas être curieuse? Écoute, quand tu as fait l'amour avec Lina, tu as... Je n'ai pas fait l'amour avec Lina. Je ne l'ai pas fait. C'est vrai? Je suis sérieux. Mais peu importe, vous vous êtes embrassés. C'est que vous vous êtes embrassés, ou pas? Bien. Très bien. Alors quand vous vous êtes embrassés, qu'est-ce que tu as ressenti? À quoi tu pensais? Quoi? Tu es malade. Réponds-moi. Ne te moque pas. Réponds-moi. D'accord, très bien, très bien. Tu sais à quoi je pensais? J'ai pensé à toi. Oh non. Quoi? Cynique? D'accord. Mais ne me mens pas, Miguel Angel. Non. Je ne mens pas. Je te parle sérieusement. La seule chose que je fais depuis un moment déjà, c'est de penser à toi. Je n'arrive pas à penser à quoi que ce soit d'autre. Eh bien oui, j'ai eu l'occasion de coucher avec Lina, mais je n'ai pas voulu le faire. Pourquoi? Parce que je savais que nous allions avoir cette conversation un jour. Et que j'allais te regarder droit dans les yeux et te dire avec confiance, avec sincérité,
que quand tu es une personne amoureuse, tu es fidèle. Tu n'as jamais été fidèle à personne, Megan Angel. Si. Autrefois, j'étais fidèle à Béatrice. Et j'espère être fidèle à toi pour le reste de ma vie, si tu me le permets. Et supposons que je te crois. Supposons. Supposons. Bon, alors supposons. Supposons que je ne pense pas à Roberto. Supposons. On change de sujet. Je crois que c'est mieux. Ah oui. Oui. C'est un idiot. Écoute. Je pensais que si ton père ne s'est pas réveillé depuis un moment déjà, eh bien... J'imagine qu'on peut faire un peu plus de bruit, n'est-ce pas? C'est pas un problème, oui, évidemment. Tout doucement. Non, quoi, ça ne me dérange pas du tout. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, à la douche, dépêchez-vous! Les filles, sortez! Dépêchez-vous, tout le monde à la douche, allez, allez! Qu'est-ce qu'il y a, princesse? Tu n'aimes pas l'hôtel? Tu sais quoi? Laisse-moi te donner un conseil, et c'est gratuit. Arrête avec tes grands airs de princesse, parce que ce n'est pas bon pour toi. Surtout si tu appartiens à la famille de la vieille, parce que cette femme n'a pas une bonne réputation ici. Si tu parles de Bonnie, je n'ai rien à voir avec ces magouilles. Je ne veux avoir de problème avec personne. Comme je te l'ai dit hier, ce n'est qu'une énorme erreur et je vais sortir d'ici dans peu de temps. Cette fille n'a même pas de cigarette. Ça commence très mal, petite princesse. Très mal. Je l'ai dit, papa, que l'intervention du procureur était essentielle. Maintenant, nous allons voir si le témoignage du dit témoin tient la route. Bonjour, monsieur Roberto. Regardez, voici les lettres que vous m'avez demandées. Ah, c'est parfait. Parfait. Alors, s'il vous plaît, envoyez-les tous. Bonjour, monsieur Gonzalez. Une bonne fois. Sébastien, le contre-interrogatoire doit être vraiment solide. Nous devons trouver la moindre contradiction, aussi minime soit-elle. Bien sûr que si, Roberto. Nous n'allons pas laisser passer cette occasion. Fais-moi savoir quand tu parleras à Mariana. D'accord. Et explique-lui bien que nous faisons tout le nécessaire pour la libérer. Très bien, c'est parfait. Nous y allons maintenant. Messieurs, je détiens enfin la preuve. Dans ce sac, j'ai la preuve que Mariana est innocente. Je n'ai pas voulu lui dire quoi que ce soit hier soir parce que je ne sais pas, je ne connais pas cette autre femme et je ne veux pas que quelqu'un sache quoi que ce soit de moi. Non, tu as bien fait. Et c'est mieux comme ça. Mais je n'ai pas pu dormir hier soir en pensant. Comment es-tu arrivée ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis accusée d'avoir tué un homme. Quoi? Ce n'est pas possible. Oui, mais je n'ai rien fait, Bonnie. Je le sais. Je le jurais. C'était mon ami quand je suis arrivée chez lui. Il était déjà mort. Oh mon Dieu. Et qui était cet homme? Un des associés de White Textile. Fabrizio Donizetti. Vous devez accuser Fabrizio Donizetti, Bonnie. Si vous l'incriminez, vous éviterez beaucoup de problèmes. Je ne peux pas faire ça, je ne connais même pas cet homme. Ah, vous voulez donc que la vie de vos filles soit en danger? Tu le connaissais, Bonnie? Je... Eh bien, Oh mon Dieu, c'est en train de se passer, c'est en train de se passer. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est de ma faute, c'est de ma faute. De quoi est-ce que tu parles, Bonnie? Non, mais j'ai fait tout mon possible pour éviter ça, pour éviter que quelque chose de mal n'arrive pour vous protéger. Pour nous protéger de qui? C'est que cet homme est venu ici et il m'a menacée. Qui t'a menacée? Non, non, Bonnie, attends une minute, calme-toi, parce que vraiment, je ne comprends rien de ce que tu dis. Je ne sais pas, il est venu ici et il m'a dit qu'il allait faire du mal à mes deux filles. À tes filles? Oui. À mes deux filles. À Scarlett. Et à toi, Mariana. Je ne suis pas ta fille. Si, tu l'es. Je n'avais pas le courage de te le dire. Je suis ta mère. Ah.
C'est la preuve que Lina Durand a tué Fabrizio. Je ne vois pas comment, explique-toi un peu mieux. C'est très simple. Mariana m'a dit qu'elle a vu une marque de rouge à lèvres sur les vêtements de Fabrizio. Et le procureur doit avoir ses vêtements parmi les autres preuves. Et j'imagine que vous, Monsieur Mora, vous allez ordonner que ses vêtements soient réexaminés maintenant. Alors ça, c'est une marque de rouge à lèvres de Lina. Et quand ils l'analyseront les deux dans le labo du procureur, ils pourront confirmer qu'ils appartiennent à la même personne, Lina Durand. Mais il y a des milliers de marques de rouge à lèvres dans le monde. Comment pouvons-nous vérifier à qui il appartient? Eh bien, par des tests chimiques ou en faisant des examens. Je ne suis évidemment pas un expert en la matière, mais je sais que des échantillons d'ADN peuvent être obtenus à partir des échantillons intimes. Des cellules, des traces de salive, la sueur, à partir de choses comme ça. À mon avis, ce vêtement ne serait pas admis comme preuve en cours, Scarlett. Comment pouvons-nous être sûrs que ces marques appartiennent aux lèvres de Lina? Eh bien, avec des preuves d'ADN, voilà comment. Afin d'obtenir des preuves ADN, il est nécessaire de recueillir une certaine quantité de tissu. Je ne pense pas que ces marques contiennent la quantité requise. Très bien. Disons que non. Disons que la quantité de tissu nécessaire n'y est pas, je m'en fiche. Il nous reste toujours un témoin qui pourra prouver et confirmer que ces traces sont bien celles de Lina. Et cette personne est celle qui portait cette chemise. Qui? Miguel Angel. Tu as envoyé Miguel Angel chez Lina pour qu'elle puisse tacher sa chemise avec son rouge à lèvres? Non. Écoute, du calme. Je n'ai envoyé personne nulle part. Il est parti parce qu'il le voulait. Mon Dieu. Je devais faire quelque chose, Roberto. Qu'est-ce que tu voulais? Que je reste les bras croisés. Ce qui est important maintenant, c'est que nous avons eu des preuves contre Lina. C'est ça qui compte. Non. Ce n'est pas aussi simple. Lina doit utiliser des douzaines de rouges à lèvres. Comment pourrions-nous être sûrs que c'est le même rouge à lèvres que Mariana a vu sur la chemise de Fabrizio? Sans compter que vous surestimez la fiabilité des tests de laboratoire de la police, Scarlett. Croyez-moi, ce genre de choses n'arrive que dans les films de science-fiction. Est-ce ainsi que vous envisagez de défendre ma sœur? Non, dites-le-moi une fois pour toutes, c'est comme ça. Roberto, c'est incroyable! Mais à quel point tu te fiches de ce qui arrive à Mariana, Scarlett, n'est-ce pas? Je sais que tu essaies de tout faire pour aider Mariana, mais ça n'aidera pas. Je suis désolé, laisse-nous nous occuper de ça. Nous avons déjà une stratégie bien définie. Oui, mais si tu n'arrives pas à accepter le fait que Lina Durand ait tué Fabrizio, tu ne pourras jamais gagner du terrain, Roberto. Très bien. Excuse-moi, mais nous devons aller voir Mariana. Monsieur Mora! Je ne te l'avais pas dit avant parce que j'avais très peur de ta réaction, mais je peux te le prouver, je suis toi, ta mère. Tu n'es rien pour moi, je ne suis pas ta fille. Ma mère s'appelait Elena Sandibanes. Détruire le mariage de mes parents ne te suffisait pas. À cause de toi, ma mère est tombée malade. À cause de toi, j'ai grandi comme une orpheline, oui, madame. Et maintenant, tu as le toupet de me dire que tu es ma mère? Vous êtes un monstre, madame. Mariana, nous devons absolument rester ensemble, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'on te fasse du mal, je vais te protéger. Lâche-moi et laisse-moi tranquille. S'il te plaît, ma fille, s'il ma te plaît, fille, crois-moi. Ma fille, ne me dis plus que je suis ta fille, parce que je ne suis pas ta fille. Je n'ai rien à voir avec toi. J'ai eu la malchance que mon père ait eu une relation avec toi, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que toi et moi avions quelque chose en commun. Augusto n'est pas ton père. Oh, mais tais-toi! Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire des mensonges? Tais-toi! S'il te plaît, tu dois me croire. Ma chérie, tu as mon sang, c'est la vérité. Je n'ai rien à voir avec toi. Toi, tu es une criminelle. Je suis peut-être ici, moi aussi, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas une personne décente. Parce que vous et moi n'avons rien en commun, madame. Ni ça, ni ton sang, ni ton manque de dignité. S'il ne me te touche plaît. Pas. La vieille, on dirait un lapin, elle a des enfants partout, tu as vu? Avec plein d'hommes différents, combien d'enfants aurait-elle au total? Qui peut le savoir? Mais j'espère qu'elle n'en a pas beaucoup, car en ces jours, ils finiront par être orphelins. Les pauvres choses. Mais j'ai vraiment hâte de lui faire payer. Elle a été si méchante avec nous depuis qu'elle est là. J'ai une idée, pourquoi tu ne lui ferais pas une cicatrice comme tu sais si bien le faire? Attends voir, donne-moi juste un peu de temps. Je vais lui prononcer sa sentence, tu verras. Tu n'as qu'à me dire ce que j'ai besoin de faire, Plastica, parce que je vais le faire pour t'aider. Eh bien, puisqu'elle dit qu'elle est sa fille, on va la frapper là où ça fait le plus mal. Oui, c'est ce qu'ils appellent la douleur d'une mère. Oh oui. Et ce sera encore plus facile, parce qu'elle n'est pas aussi courageuse comme sa maman. C'est évident qu'elle est une débutante. Mm-hmm. Oui. Je sais que c'était une erreur, vraiment très grave. Et je sais qu'amener Natalia au bureau du procureur était encore pire. Et crois-moi, je comprends ton inquiétude et aussi celle de ta mère parce que... Parce que si ça m'était arrivé avec Fernandita, j'aurais fait une crise cardiaque, je serais morte.
Mais rien de tout ça ne t'a traversé l'esprit quand tu l'as fait, je me trompe? Eh bien, tu me connais bien, Juan Carlos. Dès que Scarlett m'a dit que c'était pour aider Mariana, je te le jure, ça ne m'a pas paru si grave. Juanca, j'ai connu Mariana toute ma vie. Et elle est la sœur de Scarlett, donc elle est comme la mienne également. Dis-moi, toi, tu ne serais pas prêt à tout pour aider un membre de ta famille, Juan Carlos? N'importe quoi. Même si c'est quelque chose de mauvais. Juanca, tu étais amoureux de Mariana. Dis-moi si tu n'aurais pas tout fait pour l'aider. Je suis toujours prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Mais seulement si c'est quelque chose de sensé et de rationnel, Adri. Il y a des choses qui ne peuvent pas être justifiées. Je sais, je te dis que je sais que j'ai fait une énorme erreur, mais allez, Juan Carlos, pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas, cette fois-ci, je l'ai fait par amour. D'accord, l'amour m'a vaincue et... crois-moi, je sais que tout le monde pense que je suis stupide, que je ne réfléchis pas, mais je pense à beaucoup de choses. Et crois-moi, je suis intelligente, c'est juste que... ce qui se passe, c'est que souvent je mets en avant mes sentiments, tu comprends? Et parce que je suis probablement stupide, je ne sais pas, c'est pour ça que je finis par faire plus de bêtises. Et crois-moi, Juanca, c'est toujours avec de bonnes intentions, je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, et surtout toi. Crois-moi, c'est très difficile pour moi. Très difficile de me tenir ici en te suppliant de me pardonner parce que c'est ce que je fais. J'ai mon orgueil, Juan Carlos, et j'ai ma dignité, mais je les mets de côté. Je les mets de côté parce que l'amour est beaucoup plus grand. Juanca, s'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Allez, crois-moi et je te jure que je t'aime de tout mon cœur, de toute la force que j'ai dans ce monde. Et je ne veux pas que... seulement à cause de l'erreur que j'ai commise, toute notre histoire se termine là. Quand je suis avec toi, je sens comme... comme si que le monde est parfait. Que tu es ma... que tu es ma moitié. Et je ne veux pas rompre avec toi, je t'en supplie. S'il te plaît, pardonne-moi. Roberto n'a même pas regardé la preuve. Il n'a même pas écouté quoi que ce soit. Et les deux autres ont joué au super avocat. Écoute, ils n'ont même pas regardé, on dirait que c'était des ordures. Alors que c'est la preuve, mon amour, qu'est-ce qui leur prend, hein? Eh bien, je ne sais pas, je pense que Gonzalo et Monsieur Mora sont deux avocats ayant beaucoup d'expérience. Ils devraient savoir comment faire valoir la preuve. Aucun d'eux ne se soucie de Mariana. Mais pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas vrai, ma chérie, Roberto est le premier à vouloir aider Mariana. Mais il le fait à sa manière, à sa manière. Très prétentieuse, et cela ne nous bénéficie en rien, mon amour, écoute. Ça doit être traité par ceux qui sont plus haut placés, par des ministres. Ils n'ont pas obtenu la permission pour me laisser voir ma sœur. Je ne sais même pas comment il va. Je n'ai pas pu lui parler, Michel-Angèle. Et c'est tellement injuste. Ça va, mon amour. Ne désespère pas. Mais comment tu veux que je ne désespère pas? Tant qu'ils n'accepteront pas le fait que Lina soit coupable, ils ne pourront rien prouver en faveur de Mariana. Ils ne pourront rien faire et... j'ai très peur de ce qui peut arriver à Mariana en prison. Qu'est-ce qui pourrait arriver à Mariana en prison? Qui voudrait lui faire du mal Lina, là-bas? Lina, mon chéri, toi non plus, tu ne comprends pas. Si nous parvenons à prouver que Mariana est innocente, Lina saura qu'elle a été démasquée et elle ne le permettra jamais. Elle a été capable de tuer Fabricio, elle est capable de tout. Mais c'est vrai, tu as raison, je n'y ai pas pensé. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Pourquoi est-ce que personne ne me croit? Et personne n'est prêt à faire quoi que ce soit contre Lina, mon chéri. Je ne sais vraiment plus quoi faire d'autre. Eh bien, moi, je sais quoi faire. Quoi? Il y a certaines choses que tu ne connais pas encore. Mais il est temps pour toi de les découvrir. Et comme si ça ne suffisait pas, tu oses venir ici pour me supplier de te pardonner. Tu vas beaucoup trop loin, Adri. Il y a des choses plus importantes que l'orgueil, Madame Isabelle. Pour des gens comme toi, peut-être. Mais si tu étais une vraie dame, tu réaliserais l'erreur que tu es en train de commettre. Eh bien, je ne peux pas devenir une dame comme vous, non? Je n'appartiens pas à votre milieu social, je ne suis pas née avec une cuillère en or en bouche et je n'ai pas grandi entourée de luxe. Mais sachez que pour moi, ça n'a vraiment aucune importance. Parce que finalement, l'apparence ne définit pas tout, je pense. C'est les sentiments qui comptent le plus.
Tu oses me parler comme ça, hein? Tu penses que tu peux venir chez moi et me parler comme ça? Tu te rends compte? Hein, Juan Carlos, tu as vu comment elle me parle? Voilà. C'est ce que tu obtiens quand tu laisses ces personnes se rapprocher. Ça suffit, maman. Adri est venue pour s'excuser, pas pour qu'on l'insulte. C'est compris? Je peux la traiter comme bon me semble. Écoutez, je me suis déjà excusée, Madame Isabelle, et je ne peux rien faire d'autre. Vu que vous campez sur vos positions, je sais que vous ne me pardonnerez jamais. Je ne suis pas riche. Je suis pauvre. Et je ne dispose pas de l'éducation que vous aimeriez que je possède. Mais croyez-moi, si vous pouviez voir ce que j'ai à l'intérieur de moi et non à mon apparence, vous remarqueriez que j'aime votre fils, vraiment et de tout mon cœur. Et vous réaliseriez sûrement combien je l'aime. Et vous alliez aussi remarquer que je suis vraiment prête à tout faire pour rendre Juan Carlos heureux. Très bien. Partez d'ici. Très bien. Adri, attends. Maman. Tu n'as absolument aucun respect pour mes sentiments. Ou pour les sentiments de Nata. Tu penses que tu pourras toujours gouverner nos vies selon de tels critères égoïstes? Je l'aime. C'est clair, maman? Écoute-moi attentivement. J'aime vraiment Adri. Ça devrait être plus que suffisant pour que tu nous respectes. Tu ne sais pas ce que tu dis, mon fils. Alors écoute. Non, ça suffit, tu m'écoutes, maman. Tu comprendras une fois pour toutes que tu ne passes pas avant les sentiments de personne. Et cette femme, comme tu l'appelles, quittera cette maison, mais pas seule. Elle le fera avec moi. Mais Juan Carlos, s'il te plaît. Maman, je t'aime beaucoup. Mais quand tu l'as offensé, tu m'as offensé aussi. Dès que tu auras compris ça, on pourra se parler. Ouais. Juan Carlos. Non, Juan Carlos, tu ne peux pas être en train de parler sérieusement. Tu es fou! Non, maman. Je suis plus sain d'esprit que jamais. Le fait de ne pas penser comme toi ne veut pas dire que je suis fou. Juan Carlos. Oh mon Dieu, non. Tu es sûr de ce que tu es en train de faire? Absolument, Adri. Et voyons, Juan Carlos, attends une minute, tu pars comme ça sans aucun vêtement, sans rien. C'est la dernière chose qui compte, Adri. Et Nata? En fait, je suis pratiquement son père, je suis son tuteur légal. Nata sait exactement ce que je veux et je lui fais confiance. Je veux dire, elle sait comment gérer ma mère beaucoup mieux que moi. Tu ne vois pas qu'elle est un peu la chef? Sois sérieux, tu veux? Où est-ce que tu vas partir? Eh bien, je ne sais pas, Adri. Peu importe où, un hôtel, je m'en fiche. Le temps va nous montrer le chemin, d'accord? Tu es fou. Et j'ai beaucoup apprécié que tu m'aies défendu. Je vais continuer à le faire. Pour le reste de ma vie. Tu sais quoi? Dis-moi. Je pense qu'il manque à cette main. Il manque une bague, non? Tu me demandes de me marier avec toi? Eh bien, commençons par les alliances. Oh, mon amour. Vous êtes fous? Oui, vous avez perdu la tête tous les trois. Tous les trois, vous rêvez éveillés, c'est pas possible. Comment, Dia, pensez-vous que je vais avouer que j'ai quelque chose à voir avec un faux témoignage? Mes amours, je vais aller en prison. Tu vas quand même finir en prison, Tony. Voyons, voyons. Et pourquoi donc? Parce que je vais témoigner que c'était toi qui m'as donné les médicaments. Voilà pourquoi. Et je vais témoigner aussi, Tony. Je dirais que c'est toi qui recevais les médicaments que Béatrice a reçus, ceux qui l'ont finalement tué. Oh, regarde-moi une seconde, mon amour. Fiu, fiu. Tu es stupide ou quoi? Est-ce que tu oublies que c'est toi qui lui as injecté les doses, mon pote? Oui. C'est vrai et fiou-fiou, je vais l'avouer aussi, Tony. Je ne vais pas permettre à Lina de continuer à me faire du chantage. Et sache que Miguel Angel va aussi avouer, Tony, que tu étais impliqué dans le cas de faux témoignages qui a envoyé Gonzalo White en prison. Oh mon Dieu, une autre. Regarde-moi une seconde, fiou-fiou. Est-ce que tu oublies, ma chère, que c'était ton père qui a manigancé le faux témoignage contre Gonzalo? Non, je ne l'oublie pas, mais il va aussi confirmer ça, Tony. Et je suis sûr qu'ils vont t'incriminer dans cette affaire. Eh bien, laisse-moi voir une minute parce que je suis un peu perdu là. Ce que tu essayes de me dire, c'est que peu importe comment Monsieur Augusto et moi-même vont finir derrière les barreaux...
Exactement, Tony. C'est une dette que nous avons envers la loi et nous devons la payer. Allons, attends une minute. Que se passe-t-il ici, hein? Pourquoi diable t'es-tu réveillé ce matin avec cette idée de confession? Que se passe-t-il ici? Ah, Tony, il se passe qu'il est grand temps de dire la vérité. Je dois révéler le vrai visage de Lina et je dois prouver que ma sœur est innocente. Afin de prouver l'innocence de Marie, je crois bien que nous n'avons pas besoin de mettre Lina dans une telle situation. On ne va pas faire ça. Écoute, Talini, c'est une femme répugnante. Et nous sommes tous d'accord et très clairs sur ce point. Et nous ne pouvons pas continuer à la couvrir parce que ça va faire de nous ses complices. Par exemple, Fertio va avouer que Lina l'a convaincue de tromper Mariana. Est-ce que tu vas faire ça? Écoute, Tony, Mariana est accusée d'avoir commis un meurtre. Je veux dire, il n'y a aucune raison de prétendre que nous sommes au courant de rien. Tu ne vois pas que Lina nous a manipulés tout ce temps, Tony? Nous allons continuer à la laisser nous trahir, hein? Nous allons continuer à la laisser mentir tout le temps. Faisons une chose, je vais parler à Ernesto, mon avocat, pour voir ce qu'il dit. Écoute, Tony, la seule chose que tu dois faire, c'est de te rendre. Et je pense que nous pourrons négocier une remise de peine pour nous tous. Mais me rendre sérieusement? J'ai parlé au procureur et au juge. Demain, j'ai un rendez-vous avec le ministre. Nous allons remuer ciel et terre pour te sortir de là. Quand? Le problème, c'est que nous sommes partis du mauvais pied. Ton affaire donne beaucoup de soucis au bureau du procureur, mais nous travaillons pour changer ça. Le procureur général va enfin rencontrer le procureur qui est responsable de ton cas afin de réexaminer toutes les preuves une fois de plus. Je ne suis pas prête de sortir d'ici, n'est-ce pas? Le problème, c'est que lorsque la sentence a été prononcée et le coupable a été envoyé en prison, il est très compliqué pour le juge de faire marche arrière. Combien de jours? Réponds-moi, Roberto. J'ai besoin de connaître ma situation actuelle. Est-ce qu'on parle de jours, de mois, de 20 ans? Non, ce ne sera en aucun cas plus d'un mois. Un mois? Mon amour, tu dois être forte. Bon, tu sais que nous sommes tous là. Ton père, ta sœur, tous tes amis, nous nous battons tous pour toi. Nous n'allons sûrement pas baisser les bras tant que tout cela n'aurait pas été enfin résolu. Je ne comprends pas pourquoi ils pensent tous que je suis une criminelle. Mon amour, aucun de ceux qui te connaissent ne pense une telle chose et nous sommes nombreux. Cet endroit est horrible, Roberto. Oui, je sais, mais bon... Au moins, tu vois, Bonnie est ici auprès de toi. Ah non, ça va, ne me parle pas de Bonnie. Pourquoi? Cette femme est folle. Mais je te jure que je suis sur le point de penser qu'elle a volé les... C'est... Les formules? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que... Je ne sais pas, elle dit un tas de mensonges. Maintenant, elle commence à dire qu'elle est ma mère, tu peux le croire? Bien, c'est la mère de Scarlett, peut-être. Non, tu ne comprends pas. Elle dit qu'elle est ma mère pour de vrai, que je suis sa fille biologique, que ma mère n'est pas ma mère en plus. Elle est aussi venue dire que mon père n'est pas réellement mon père. Elle est folle! Mais en voilà un beau gendre, n'est-ce pas? Oh oui, je suis d'accord. Cet homme est tellement beau. Oh, c'est trop dommage. Il sera bientôt veuf. Plastica, ne me menace pas. Non, je ne te menace pas. Je ne fais que te montrer mon respect. Ne me dites pas que vous m'aviez prévenu. Je vous avais prévenu, mademoiselle Lina, et vous étiez parfaitement au courant. Je vous ai prévenu au moins 1 million de fois que le problème était le facteur humain. Tout ça, c'est de votre faute. Ce n'est pas de ma faute. Le problème, c'est Roberto White. Bien sûr, Roberto. Roberto est un imbécile. Mais il est riche et puissant, il a des amis influents. Et il a eu un entretien avec le procureur général et le procureur. Et j'ai cru comprendre qu'il va parler au ministre. Et il ne s'arrêtera devant rien. Mais il ne peut pas faire grand-chose de toute façon. Parce que je sais que Mariana Garcia est coupable. Tout le monde est innocent jusqu'à ce qu'on puisse prouver le contraire, non? Ah, La Rota, s'il vous plaît! Ne me dites pas une telle bêtise! Nous savons tous les deux que Mariana est celle qui a tué Fabrizio. Nous avons un témoin qui a tout vu. C'est justement ça le problème, mademoiselle Lina. Eh bien, le témoin a eu peur face à l'intervention du procureur. Il veut absolument changer son témoignage. Eh bien, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'à ce stade, il ne peut pas changer son témoignage. Et ce cher monsieur devra maintenir ce qu'il a déjà déclaré. Non, mais... Comment dire? Je ne sais pas comment vous le dire, mademoiselle Lina. À vrai dire, cette affaire me met très inconfortable. Je voudrais me retirer de cette affaire. Quoi? Je vous soumets ma démission, je ne veux pas continuer à travailler pour vous. Bien sûr, le mieux pour vous, c'est de vous sauver en courant. Non, la meilleure chose est de rester discret, d'attendre tranquillement que tout ça finisse par se tasser. Vous avez un alibi très solide et il n'y a aucune accusation contre vous.
si vous faites profil bas? Je ne ferai jamais profil bas, vous entendez? Et encore moins devant Mariana Garcia. Je vous aurais prévenu, mademoiselle Lina. Souvenez-vous que je vous aurais prévenu. Bien sûr que je veux t'épouser et nous allons le faire, mais pas dans cet endroit, Roberto. La prison n'est pas le bon endroit pour que nous nous marions, mon amour. À moi, on m'a dit qu'il y a une chapelle divine. Oh, regarde, 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 regarde. Tu vois, c'est un endroit horrible. Oh, cet endroit est terrible, Roberto. Oh, ça va, non. Aller. Regarde-moi, regarde, regarde-moi, regarde-moi, oh. Regarde-moi, regarde-moi. Mon amour. On pourrait décorer la chapelle avec des fleurs. Je suis sûr que le directeur de la prison va accepter de laisser entrer les invités. Et tu pourrais toi-même confectionner ta robe de mariée, ma chérie. Je la ferai. Tu la dessines et je la ferai faire à l'atelier et je vais te la porter. Nous allons le faire rapidement. Quelle est l'urgence? Je suis enceinte. Sois un peu sérieux. Écoute, étant mariée, je suis sûr que je peux obtenir des droits de visite plus facilement. Et puis, nous aurons des visites conjugales. Et c'est quelque chose qui me semble être vraiment intéressant. Mais il y a un autre motif. En étant mariée, je suis sûr que tu vas sortir d'ici plus rapidement. Pourquoi? Parce que les procureurs pensent que Fabricio et toi aviez une liaison et nous allons prouver que ce n'était pas vrai. En prouvant qu'ils font erreur, je suis la personne qui te connaît le plus. J'ai confiance en toi. Et je sais que tu es innocente. Et c'est pour ça que je vais t'épouser. Je suis heureuse que tu veuilles m'épouser malgré cette situation douloureuse par laquelle je passe en ce moment. Et plus que jamais, je veux devenir ta femme. Mais Roberto, non. Écoute, être mariée ne prouvera pas mon innocence. Ce n'est pas comme s'ils vont dire « Oui, Mariana Garcia est mariée, alors elle est innocente. » Tout va dépendre du scandale que nous allons faire. Un scandale? C'est ça, ma chérie. Car nous allons faire de notre mariage quelque chose de grandiose avec les médias. Les médias sont passionnés par la romance. Les juges, eux, regardent les nouvelles. Ils lisent les journaux, imaginent les grands titres. Une femme accusée de crimes passionnels. Mais son petit ami a toujours confiance en elle. Et ils vont se marier. Après avoir lu cette histoire, aucun juge ne te gardera en prison, mon amour. Surtout si ce juge est une femme. Tu es fou. C'est vrai, je suis fou, je suis fou. Nous allons nous battre jusqu'au bout, toi et moi. Je suis confiant que notre meilleure arme, c'est notre amour. Non, 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 non. S'il te plaît, mon amour, regarde-moi. Je veux vraiment que tu deviennes ma femme. Tu avais raison, ma petite fille. Nous devons tous finir par dire la vérité à un moment. Tu es en train de me dire que tu vas tout avouer, papa? Oui, bien sûr. Je vais finalement avouer toutes mes fautes. Merci. Ah, papa, merci. Merci, merci mille fois. Tu sais quoi? Oh, je suis vraiment très fière de toi. Vraiment, ma fille? Vraiment? Bien sûr que oui, mon petit papa. Écoute, je sais que la vie a été très dure pour nous et nous avons dû nous battre dans la vie, mais je suis très confiante et très contente parce que nous deviendrons de meilleures personnes. Tu es une grande dame, Scarlett. Très bien. N'exagère pas, car j'ai moi aussi fait des erreurs, mais j'espère avoir déjà payé. Eh bien, c'est bien pour ça que nous sommes ensemble, pour résoudre tous nos problèmes, comme une famille, non? C'est ce que nous sommes, papa. Ma chérie, j'ai beaucoup de choses à te raconter, des choses dont tu n'es pas au courant. Mais tu penses que tu peux me les dire plus tard? Plus tard. Oui, je vais te le dire, ce soir à la maison. Et alors? Comment ça va avec ce monsieur? Quel monsieur? Quel monsieur? Ah! Avec Miguel Angel? Comment ça va avec lui? Bien, ça se passe bien. Oui, oui, ça se passe bien. Ne me sois pas si modeste avec moi, Scarlett. Je sais. Tu dois savoir que je n'admire pas beaucoup cet homme, n'est-ce pas? Mais si tu l'aimes, ça me suffit pour l'accepter. Et je vais respecter ça. C'est tellement gentil, papa. Roberto, je suis très inquiète pour Mariana. Tellement inquiète. Tu fais quoi pour l'aider? Et pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi es-tu si agressif avec non, moi? Non, je ne suis pas du tout agressif. Tu me dis que tu ne cesses de t'inquiéter pour Mariana. Alors, je te demande, qu'est-ce que tu fais exactement pour venir en aide à Mariana? Je ne sais pas ce que je peux faire, Roberto.
Malheureusement, toutes les preuves sont contre elle et l'incriminent. Très bien. Alors, selon toi, Mariana a tué Fabricio. Eh bien, peut-être qu'elle ne l'a pas fait intentionnellement, je ne sais pas. Peut-être qu'elle se disputait avec lui au sujet de ses formules et ensuite... Arrête, je ne veux plus t'écouter. C'est bon. Ah, Roberto, je te comprends. Ça doit être très difficile pour toi d'accepter que Mariana soit coupable. Elle ne l'est pas. Très bien. Je peux voir que tu as beaucoup de foi en Mariana. Malheureusement, la foi ne suffira pas pour arriver à faire que le juge la déclare innocente. Je sais. C'est pour ça que je rassemble toutes les preuves, pour prouver que Mariana est bel et bien innocente. Si tu es si inquiète comme tu le dis, tu devrais faire la même chose. Dis-moi comment? Comment? Tu peux commencer par me dire comment était ta relation avec Fabricio. Ma relation avec Fabricio? Oui, Fabricio Donizetti est venu ici. Parce que tu l'as emmené, je lui ai vendu plusieurs actions, parce que tu m'as convaincu de le faire. D'ailleurs, dès que tu as appris que mes formules ont été volées, tu as commencé à t'impliquer, tu as même proposé de voyager avec moi à Hong Kong, parce que c'était toi qui gérais cette affaire. Attends une minute, Roberto. Est-ce que tu es en train de m'accuser d'être la complice de Fabricio? Non. Tu es en train d'accuser Mariana de l'avoir assassinée et j'aimerais savoir pourquoi. Tu sais quoi? Parfait, Roberto. Parfait, je vois qu'il n'y a pas moyen de parler avec toi. Parce que tu es aveugle, parce que tu refuses absolument d'accepter que Mariana n'est pas du tout innocente. Je comprends. Ça doit être très difficile d'accepter que Mariana t'ait trahi. Mariana ne m'a pas trahi. Ça, c'est ce que non, tu penses. Non, ça c'est ce que je sais. Mariana est innocente et je n'ai aucun doute en ce qui concerne son amour. C'est pour ça que je vais l'épouser. Eh bien, dans ce cas, je crois que tu vas devoir attendre assez longtemps avant qu'elle ne sorte enfin de prison. Peut-être des années. Je pense que tu te trompes. Je vais l'épouser la semaine prochaine. Oui, Lina. Mariana et moi allons nous marier. Et en plus, tu es invitée.